Quel souvenir vous gardez de votre petite enfance Que de l'horreur. C'est quoi Que de l'horreur. Pourquoi l'horreur C'était quoi votre horreur à vous, Alexandre Moi, je suis victime de maltraitance maternelle, uniquement maternelle. Ma mère me frappe et. Euh... Euh, un membre de la famille attestera euh, il y a quelques années, euh, elle me frappe et elle dit maintenant elle pleurera pour quelque chose. Voilà, j'ai trois semaines, ça commence comme ça, ça donne le ton. Enfin, j'ai envie de vous dire, de, 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 oui, de, de trois semaines à, à 13-14 ans, ce sont les coups de martinet, les coups de ceinture. Martinet, je coupe les fils, alors évidemment, j'avais oublié d'enlever les ceintures de la maison ce sont les coups de ceinture. Euh, c'est euh, les fessées, c'est les claques avec ses, les marques de ces abominables mains sur le visage. Mais il fallait que je paraisse parfaite, donc euh, j'avais euh, le chignon, les couettes, donc j'allais à l'école en me détachant les cheveux, en piquant son maquillage pour euh, cacher les stigmates. Mais euh, je reviens sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure, euh, parce que vous parliez des violences euh, physiques et psychologiques. J'ai envie de vous dire que celles qui sont euh, les violences physiques, bien évidemment, on laisse des traces, mais les violences psychologiques, euh, les traces euh, sont bien plus douloureuses. Il est extrêmement difficile de s'en défaire. Elle quitte euh, mon père. On emménage dans une maison sur deux étages avec sa sœur, son beau-frère, euh, ma petite sœur. Tout le monde est logé au premier étage. Il y a de la place pour loger tout le monde. Moi, à six ans, je suis au deuxième étage, accolée au grenier, seule. Donc ça fait partie de la maltraitance. De toute façon, on isole. C'est isolé pour mieux régner. Mais votre père réagissait pas. J'ai bien compris que. Mais il se sépare. J'ai six ans. Elle va jusqu'à. Donc vous parlez en Essonne, Neuilly. Elle nous annonce devant la porte un dimanche matin, sans nous avoir préparé. On s'en va. On va habiter dans une maison devant notre père. Voilà. Votre père reste. Nous, on s'en va. Ah bon. Et là, on arrive dans cette maison et elle fait tout pour me coupé de mon père jusqu'à mettre un cadenas. Vous vous souvenez des téléphones de l'époque euh, Le gris, cadenas sur voilà, le téléphone. Voilà, jusqu'à mettre un cadenas sur le téléphone <coughs> euh, pour pas parce qu'il paraît que je coûtais trop cher en téléphone pour euh, ne pas que j'appelle mon père. Et puis le peu de fois que je vois mon père, qu'est-ce que je veux Je veux briller à ses yeux. Je veux briller. Elle rencontre un homme qu'elle nous amène du jour au lendemain à la maison peu de temps après avoir aménagé dans cette maison en disant maintenant il va, il va vivre à la maison. Il se trouve que cet homme faisait partie d'un milieu assez bourgeois. Bon, et alors à partir de ce moment-là... Euh, il faut que je fasse la révérence devant un couple d'adultes. Elle me dit à partir de maintenant, tu vas faire la révérence, c'est comme ça que font les jeunes filles de bonne famille. Et je m'en souviens comme si c'était hier, elle me montre comment je dois mettre la jambe en arrière et m'abaisser pour faire la révérence. Enfin, c'est l'humiliation surtout, c'est à table euh, les coups de couteau en argent euh, à l'envers entre le carpe et le métacarpe quand la main dépasse. C'est le dictionnaire sur la tête, mais devant tout le monde. Hein. C'est le dictionnaire sur la tête, parce que je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais pour se tenir droite à table, il faut mettre un dictionnaire sur la tête. C'est comme ça qu'on apprend un enfant à se tenir droit. Euh, à 13 ans, elle me décide que les vacances, c'est terminé pour moi. Elle doit me faire travailler dans ses ateliers. Elle m'humilie devant tout le monde en disant, vous la faites passer à chaque poste de fabrication, et surtout, euh, surtout euh, vous ne la loupez pas, il faut qu'elle sache euh, tout faire. Et là, je parle d'une mère, une maman, elle porte un bébé neuf mois, elle lui donne la vie, donc il y a un lien euh, sanguin, et finalement, pendant 40 ans, parce que moi ça durera plus de 40 ans, elle va, elle fait tout pour lui ôter la vie. Donc à 12-13 ans, je fugue, euh, à 17 ans, je pars de la maison, je pars. Mais elle me poursuivra d'enfant, adolescente, à femme, jusqu'à ce que je devienne moi-même maman. Pourquoi Parce qu'adulte, de quelle manière elle a continué à vous maltraiter Adulte, de quelle manière elle ah a continué à faire votre vie un enfer, cette femme J'ai toujours été une merde. Hum. Euh, J'ai toujours été inculte. Je sais pas, vous, vous êtes maman. En, euh, moi, je l'appelle pour lui dire que je suis enceinte pour ma première fille. Je me souviens de cet appel. Je lui ai dit « je voulais te le dire, je voulais te dire « je t'aime ». Je t'aime, ça se dit pas. De toute façon, tu es incapable d'être mère. Bon, en fait, vous êtes complètement soumise et vous êtes sur un terrain toxique. Et tant que vous ne sortez pas de cette soumission, elle va me chercher, elle revient. Et encore une fois, où, où est la normalité J'ai pas de repère. J'ai pas peut... de repère. Est-ce qu'on peut faire le deuil de quelqu'un de vivant. C'est-à-dire, d'ailleurs, Alexandra dit toujours, j'y retournais, avec toujours, j'imagine, l'espoir qu'un jour, elle se comporterait comme ben, mère. J'ai fini par faire le deuil, oui, parce que ça allait, quand même, ça allait quand même aller très loin. Mais pour revenir sur votre question, moi, vous voyez, en cadeau de naissance, elle est arrivée à la clinique, j'ai eu un livre sur les impressionnistes, haut comme ça, grand comme ça, qui devait peser 4 kilos. C'était le cadeau de naissance, pour bien me rappeler que j'étais inculte, au moment où je lui dis que je veux plus l'avoir. Qu'est-ce qu'elle fait ben, elle, elle devient gentille. Mon... Hein elle utilise mon ex-mari, ah. qui a le retrait de l'autorité parentale de ma fille, qui est très malade, qui est décédée d'ailleurs maintenant, qui est toxicomane à un très haut degré, euh, où j'ai tous les jugements. Il a le retrait de l'autorité parentale de ma fille, il a essayé d'enlever ma fille, il m'a menacé au couteau, il enfin il m'a tout fait. Il était malade. Il reconnaissait qu'il était malade. Il était malade. C'était pas un méchant. C'était bon, Il était malade. Il le savait. Et ben qu'est-ce qu'elle fait Elle, euh, au moment où je lui dis je veux plus te voir, elle prend contact avec lui alors qu'elle avait vu une seule fois dans sa vie en ma présence, et elle lui dit je vais tout faire pour récupérer euh, les droits de visite sur mes petites filles. Je vous aiderai pour que vous retrouviez votre fille. Euh, vous êtes tout à fait apte et capable. En fait, je découvre des messages, des échanges, des emails. Ouais, elle essaie Ils de ont... le manipuler. Elle entretient, elle entretient pour m'éradiquer. Elle utilise mon ex-mari pour m'éradiquer. Et ça finit comment Ça finit que quelques mois après, mon ex-mari verse en plein jour un jerrycan d'essence sur ma boutique où j'y étais avec notre fille. Et nous aurions pu brûler vivantes toutes les deux. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous essayez d'échapper à cette maltraitance, mais en fait ils sont prêts à tout utiliser. Les gens ne sont que des pions pour vous éradiquer. On, on voit en fait, si vous me le permettez, euh, vous parlez de soumission. Moi j'entends que vous y retournez parce que il y a une sorte de quête et de l'amour maternel qui n'arrive qui n'arrivera pas, évidemment. Quel enfant N'attend pas l'amour de sa mère. Évidemment, mais je pense que face à une telle toxicité, il faut bien. Alors, ce n'est pas du tout un jugement, où... bien mais sûr. il faut peut-être le dire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est une mère que une mère a forcément ce fameux instinct maternel. Il y a des mères maltraitantes, il y a des mères qui fait. sont malades et toxiques. Et il y a un moment, malheureusement, où il n'y a qu'une seule solution c'est de rompre. De fuir. Voilà, de fuir, de couper. Et fuir, de ne pas revenir. Mm. Parce que, parce que quand les, quand les mères sont malades à ce point-là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut sortir du terrain toxique. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, vous avez évolué dans un terrain toxique. Donc le terrain toxique est un terrain de confort. Vous allez vers des personnes... Un terrain inconnu. Pardon, un terrain inconnu, pardon. C'est un terrain inconnu. Vous allez vers ces terrains toxiques. Et puis vous êtes la proie parfaite pour les gens malveillants qui, eux ont oui, détecté vrai. vos failles et, euh, et ont bien compris que... Voilà. Comment vous avez réussi à vous reconstruire, Alexandra, après tout ce que vous nous avez raconté J'ai une chance énorme dans ma vie. J'ai hérité de la force de mon père. J'avais cette force qui m'aidait. Je m'en suis sortie, j'y suis allée au culot dans tout ce que j'ai entrepris dans la vie. Euh, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai monté une agence d'hôtesse d'accueil. J'ai fait du mannequinat. Euh, j'ai travaillé pour Régine qui m'a appris énormément euh, pendant deux ans. <laughs> Euh, parce que euh, bah c'était que quelqu'un qui avait une force de caractère aussi incroyable donc euh, euh, voilà et puis après, après adulte, comment elle a voulu m'éradiquer Et bah, tout ce que j'essayais de faire qui pouvait être positif pour moi, elle me le sapait. et pourtant, J'allais jusqu'à l'héberger chez moi, elle était malade, jusqu'à m'en occuper euh, financièrement, physiquement. Et mon père me disait, mais qu'est-ce que t'es conne, mais qu'est-ce que t'es conne, tu verras, ta mère, c'est folle coche, tu vas te faire avoir. Tu...". Et j'y allais quand même, j'y allais quand même, j'y allais quand même. Jusqu'à ce que je découvre ces échanges avec mon ex-mari, la quête d'amour ouais. et veine, ça a été le... Ça a été la et votre libération, hein. vraiment. Hein. Le chemin, j'ai fait une psychothérapie qui a duré presque trois ans. À raison de deux fois par semaine, quand même. Et là, le chemin de petit à petit, les choses reviennent. Alors, je n'ai pas essayé de comprendre, moi, pourquoi elle était comme ça. Ça ne m'intéressait pas parce que c'était finalement retourner vers la toxicité, essayer de comprendre. Euh, mais en revanche, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais ces modes d'action et d'interaction avec les gens, pourquoi je faisais ces choix-là, pourquoi je n'arrivais pas à dire non. Euh, parce Que finalement on veut être aimé, donc on est prêt à tout donner. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait avec ma mère? Et eh ben, je lui ai tout donné jusqu'à mettre ma vie physique, ma vie psychologique et ma vie euh, financière en danger, c'est-à-dire tout ce que j'avais pas reçu. Bah, j'ai voulu sauver les autres, moi qui n'avais pas été sauvée, jusqu'à sauver le papa de ma fille parce que j'ai voulu. J'ai toujours dit, je veux regarder un, un jour ma fille droit dans les yeux et pouvoir lui dire, j'ai tout fait pour essayer de sauver ton papa. C'est un beau témoignage que vous nous livrez et on peut le découvrir en intégralité dans ce livre vertical que vous avez euh, que vous avez publié. Je cherche les éditions, pardon. C'est moi. C'est vous Ah ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà <laughs> que vous avez publié. Pour, vous l'avez auto publié Oui. Oui, parce que j'ai voulu euh, rester libre jusqu'au bout. Et euh, je n'ai pas voulu changer un seul mot, j'ai voulu écrire comme je parle, sans filtre, euh, que ce soit vrai, que ce soit authentique, euh, ça me tenait à cœur. Et quelles, sont, quelles ont été les retombées de ce livre Eh bien, les retombées, euh, je vous avoue que j'étais un peu dépassée, nous avons croulé sous les messages de personnes victimes de maltraitance maternelle, des témoignages absolument poignants, et nous avons, dans l'urgence, monté une association qui s'appelle Unis contre la maltraitance maternelle. Et je remercie mille fois les membres du bureau, nos ambassadrices, nos ambassadeurs, nos parrains, nos marraines. Cette association a été montée fin décembre. Euh, ça n'existait pas, mais je vous avoue que nous avons été dépassés et qu'il faut arrêter de croire qu'il n'y a que les papas qui sont maltraitants.